recrudescence concertée du terrorisme nord-africain. Parmi les attentats les plus spectaculaires, l'incendie du parc pétrolier de Mourpiane, le plus important de la région marseillaise, provoque la panique. 17 blessés et disparus, et les dégâts sont importants. Monsieur Jacques Soustelle a échappé de justesse aux balles des tueurs FLN qui ont voulu atteindre, en la personne du ministre de l'Information, la politique de libre consultation du peuple algérien. Le FLN désespère d'atteindre ses objectifs et il a recours pour cela au crime, à l'assassinat. Cela n'est pas nouveau d'ailleurs. Peut-être que ça ouvrira les yeux à certains qui se font encore des illusions sur les possibilités de discuter avec des gens de cette sorte. Cet attentat ne changera rigoureusement rien à ma détermination et à mon action en faveur de l'Algérie française. Bonsoir. La guerre d'Algérie s'est déroulée en Kabylie et dans les Aurès, à Alger ou sur les frontières. C'est une évidence. Mais la guerre d'Algérie s'est jouée également en France. En effet, dans l'Hexagone vivaient et travaillaient 300 000 Algériens qui constituaient pour LFLN une formidable base arrière. Il s'est créé ainsi une situation absolument unique dans l'histoire. Au cœur même de l'État français, le FLN a mis en place une organisation politico-militaire clandestine, redoutable et efficace. Ainsi, en pleine guerre d'Algérie, le FLN a pu ouvrir en métropole un second front. Nous allons raconter ce que fut cette guerre du FLN en France. Les structures, les armes, les attentats, les faux papiers et les vraies filières, les complicités et les adversaires. Grâce à des témoignages exceptionnels, celui d'Ali Haroun, un des responsables de la Fédération de France du FLN, ou celui de Raymond Muel, un ancien du service d'action du SDEC, vous suivrez les dessous d'une guerre secrète et impitoyable. Mais d'abord, il faut revenir aux sources, car c'est en l'immigration, ici en France, qu'est né et s'est développé le nationalisme révolutionnaire. À peine 5 000 avant 1914, les Algériens sont plus de 100 000 à vivre en France au début des années 30. C'est d'abord l'État qui fait appel à eux au cours de la Grande Guerre afin de remplacer les ouvriers français partis pour le front. La guerre finie, les besoins de l'industrie et les nécessités de la reconstruction des régions dévastées exigent l'accroissement de la main-d'œuvre immigrée. Les Algériens, entre les deux guerres, se concentrent dans les zones industrielles, en particulier dans l'agglomération parisienne. En France, l'immigré garde le goût de sa communauté d'origine. Il se regroupe par affinité régionale dans des hôtels bon marché, les Garnis, où il vit dans des conditions misérables. Garches, 1928. La première fête de l'humanité qui a été filmée. Les prolétaires en goguette bagnotent de stand en stand. Certains, attirés par une musique étrange, s'attroupent et regardent ces jeunes femmes qui se déhanchent au rythme des derboukas. Autour, parmi ces hommes, peut-être un jeune Algérien de 30 ans, Messali Hadj, ouvrier communiste chez Renault. Messali a participé à la fondation de l'Étoile nord-africaine, un mouvement affilié au Parti communiste qui prône l'indépendance du Maghreb. 10 ans plus tard, Messali, qui a rompu avec le PCF, donne la priorité à l'action en Algérie, où il est retourné. Arrêté, interné, il a acquis après la Seconde Guerre mondiale un prestige immense chez les partisans de l'indépendance. Mais au début des années 50, le mouvement nationaliste se déchire. Lassé des divisions et des querelles, une poignée de militants décide de passer à la lutte armée. Le 1er novembre 1954, 6 hommes déclenchent l'insurrection. Ces fils de la Toussaint, qui sont les enfants de Messali, se rebellent contre le père. Ils agissent au nom d'un mouvement inconnu jusque-là, le FLN, Front de Libération Nationale, appuyé sur l'ALN, Armée de Libération Nationale. Assigné à résidence, Messali assiste en spectateur au début de la guerre d'Algérie. Mais pour les 210 000 Algériens de l'émigration, le Zaïm demeure l'incarnation de la lutte pour l'indépendance. En décembre 54, pour concurrencer le FLN, Messali crée le mouvement nationaliste algérien, le MNA. Le MNA est hégémonique chez les Algériens de l'Hexagone, qui ne savent pas très bien qui mène la lutte armée sur le terrain.
Il s'est passé que les premiers militants du FLN venant en France se heurtaient à un mur auprès de cette émigration qui a toujours eu Messali comme leader nationaliste. À ce moment-là, évidemment, le FLN, au début, il représente quelques dizaines de personnes, pas plus. C'est-à-dire des militants qui venaient d'Algérie depuis une période récente et qui étaient allés un peu se renseigner sur ce qu'était ce FLN. Le FLN, très minoritaire en France, tente de persuader les immigrés qu'il est le seul à se battre en Algérie. Il veut ôter à Messali sa légitimité de leader du mouvement pour l'indépendance. Le MNA étant maître du terrain, il était évident qu'il ne laissait pas d'autres venir le lui prendre. Donc, il a fallu faire un travail auprès des hôtels, des restaurants, des foyers de Nord-Africains, comme on les appelait à l'époque. Mais ce travail n'était pas exempt de tout danger. Les gens étaient foncièrement messalistes. Alors, les discussions s'envenimaient. On en arrivait souvent à des invectives, parfois à des coups. Et hélas, quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, à un affrontement armé qui a fait beaucoup de victimes. Le 9 mars 1956, le MNA de Messali, encore très puissant, organise une grande manifestation contre le vote des pouvoirs spéciaux par l'Assemblée nationale. Des milliers d'arrestations, des blessés, des morts dans l'indifférence générale. C'est la dernière manifestation du MNA en France. Car désormais, la guerre MNA-FLN fait rage, marquée par des attentats, des mitraillages de café, des enlèvements et des assassinats. À l'automne 57, les commandos de choc du FLN réussissent à abattre la direction du MNA. Au total, entre 54 et 62, cette guerre civile entre Algériens fera plus de 4000 morts et 10 000 blessés. Le FLN est victorieux, des militants messalistes se rallient. Fort de 20 000 militants à l'automne 57, le FLN peut mettre en place le quadrillage de la population algérienne en France. En juin 1957, Omar Boudaoud prend en main la Fédération de France du FLN avec Ladlani, qui était le seul rescapé de l'ancienne fédération. Il a avec lui Bouaziz, qui lui était un ancien de la Wilaya 4, c'est-à-dire de la région d'Alger qu'on avait envoyé ici à cet effet. Il reprend également Abdelkrim Souissi, qui, lui, avait été arrêté et libéré, et moi-même, qui le rejoint quelques mois plus tard. Donc, à cinq, avec ces cinq, il constitue la nouvelle Fédération de France du FLN, qui a pratiquement fonctionné de 58 à 62. Jusque-là, la Fédération de France du FLN, accaparée par sa lutte contre les messalistes, n'avait pas prêté suffisamment d'attention aux mesures de sécurité. En particulier, militants et simples sympathisants se côtoyaient dans des réunions. La police exploite ses faiblesses et arrête les directions successives de la Fédération de France. La nouvelle direction, mise en place par Omar Boudaoud, décide de cloisonner l'organisation en trois pyramides distinctes. Les militants sont regroupés à la base par cellules de trois hommes. La Wilaya est un regroupement géographique de plusieurs milliers d'hommes. En 1958, l'Hexagone est divisé en 6 wilayas. En 1961, les 150 000 membres du Front sont répartis dans 7 wilayas. Il se trouvait qu'en France, nous avions quand même une immigration de l'ordre de 300 à 350 000 hommes qui pouvaient contribuer d'une manière financière. Alors, nous avons créé au départ donc une cotisation qui était la contribution de chaque Algérien à l'effort de guerre. Et ceci est important à dire pour l'histoire, que l'apport de la Fédération de France a permis au FLN d'être totalement indépendant de l'ensemble des pays dits frères et amis, parce que sur le plan matériel, il n'avait pas à tendre la main. En 1958, le FLN s'est enraciné dans la communauté algérienne. Il a réussi à mettre en place l'une des plus puissantes et des plus massives organisations clandestines de l'histoire. Il organise des dizaines de milliers d'Algériens dans des structures illégales. L'organisation rebelle assure, par la persuasion ou la contrainte, un encadrement politique, idéologique, militaire de l'immigration. Elle crée des commissions d'hygiène, de justice, des syndicats ouvriers ou étudiants. On peut dire sans exagérer qu'à la fin de la guerre,
la quasi-totalité des Algériens de métropole vivront dans une sorte de contre-société FLN. Au début de 1958, en Algérie, la LN a subi des revers, les maquis sont en perte de vitesse, asphyxiés par les barrages électrifiés sur les frontières, en particulier sur la frontière tunisienne. Afin de desserrer les taux, la direction de la révolution, on l'appelle le CCE, demande à la Fédération de France du FLN de porter la guerre en France. En France, le général de Gaulle est revenu au pouvoir. À l'été 58, tandis qu'il prépare une nouvelle constitution, celle de la Ve République, le FLN décide de passer à l'action. L'incendie du dépôt pétrolier de Mourepiane, près de Marseille, a été l'œuvre du terrorisme déclenché en France par le FLN. 25 août 1958, 3 heures du matin. Les habitants du quartier d'Estac à Marseille sont réveillés par de violentes explosions. Les cuves du dépôt de carburant de Mourepiane sont en feu. L'incendie se propage et dure 10 jours entiers. C'est une catastrophe nationale, titre le Provençal. Ce 25 août, la guerre d'Algérie vient de traverser la Méditerranée. Il fallait attirer l'attention du monde entier et vraisemblablement des investisseurs autres que français qui voulaient investir au Sahara. Il fallait un peu les décourager. Bon, ça c'était un premier objectif. Deuxième objectif, comme je l'ai dit, c'était un peu montrer au cours de 2-3 jours un peu ce que subissait le peuple algérien depuis des années. Nous sommes en août 58, c'est-à-dire que la guerre se poursuit en Algérie depuis près de 4 ans. Il fallait que l'on sorte un petit peu le peuple français de sa torpeur qui, lui, d'une façon générale, faisait confiance au gouvernement qui menait cette guerre et en particulier, surtout, au gouvernement de gauche qui, jusqu'à mai 1958, étaient, eux, responsables de cette guerre qui se poursuivait en Algérie. Pour mener ce type d'opération, la Fédération de France du FLN avait mis en place une organisation spéciale, l'OS ou OS. Les commandos de l'OS avaient mené des attentats contre les policiers, des indicateurs ou des personnalités algériennes ralliées à la France. Ainsi, l'OS abat le 27 mai 1957 Ali Chekal, ancien vice-président de l'Assemblée algérienne qui venait d'assister à la finale de la Coupe de France aux côtés du président Coty qui lui rend hommage. Les tueurs continuent d'exécuter les ordres de leurs chefs. Les mêmes chefs qui, hier encore, sur les antennes d'une radio étrangère, se faisaient gloire et honneur d'avoir fait traîtreusement assassiner à Paris un musulman de plus, coupable d'aimer la France. L'OS, donc, était constitué sur un modèle purement militaire, avec des compagnies, des sections, des régions, etc. Mais il fallait des militants, des soldats de l'ombre. Donc on a choisi ceux qui étaient les plus aptes. Ils sont allés clandestinement dans des camps de l'ALN qui étaient à la frontière marocaine. Ils ont subi un entraînement intensif et ils sont revenus en France. Ils ont été armés, c'est-à-dire que la Fédération de France, du fait qu'elle disposait donc de fonds importants, c'était elle qui, par ses propres moyens, achetait les armes qui lui étaient nécessaires. C'est ainsi que la Fédération de France s'est adressée à certains pays de l'Est et même en Allemagne de l'Ouest, où on s'est pourvu en armes qui n'étaient pas quand même des armes lourdes. C'était uniquement des armes de poing. Elles entraient en France, en général, dans des voitures plus ou moins aménagées qui venaient de certains pays du centre de l'Europe en transitant soit par l'Allemagne ou par la Belgique ou autre et qui arrivaient en France. Il y avait certaines voitures qui avaient leur réservoir qui était particulier. À l'intérieur de l'essence, il y avait un autre réservoir dans lequel se trouvaient des armes. Au début de l'été 1958, les 5 dirigeants de la Fédération de France se réunissent clandestinement en Allemagne afin de mettre en pratique les directives reçues de la direction du FLN. Porter la guerre en France. Donc la réunion s'est tenue à Cologne, dans la banlieue, et je me souviens qu'elle s'est terminée exactement le 25 juillet 1958. Alors,
À ce moment-là, l'ensemble des participants a fixé une date, c'est-à-dire que l'ensemble des participants s'est donné un mois exactement pour mettre en place son dispositif pour entreprendre cette action. Le 25 août, à 2h du matin, un commando de l'OS attaque le garage de la préfecture de police, rue des Vallons, dans le 13e arrondissement de Paris. Trois policiers sont tués par des rafales de mitraillettes. Au même moment, dans toute la France, des attaques, des explosions, des mitraillages se multiplient. En France, l'objectif de la Fédération de France, c'était pas de se mettre à dos le peuple français en faisant des attentats qui auraient touché des innocents. Qu'est-ce qu'il y avait de plus facile à l'époque pour le FLN de déposer une bombe à 18h dans le métro? Il ne l'a jamais fait et il n'était pas question qu'il le fasse. La Fédération de France a mis à l'étude d'autres projets qui échouent ou n'ont pas abouti. On a eu le projet de brûler quelques forêts pour montrer comment, en Algérie, sur l'ensemble du territoire, le peuple algérien vivait. Je vous dirais que pendant les années 57 et 58, l'armée coloniale a utilisé énormément de napalm en Algérie pour mettre à nu, si vous voulez, les maquisards. Je dois dire qu'au niveau du FLN, il n'était pas question de brûler toutes les forêts de France, mais de montrer comment brûler une forêt, ça pouvait porter une atteinte très grave à la population qui y vit. Donc ça n'a pas marché du tout, parce que semble-t-il, nos militants ont été maladroits, il y a eu de la pluie, il y a eu des orages, finalement, c'est pas ce que ça a donné. Malgré les arrestations, les actions armées continuent jusqu'à la fin de septembre. Au total, 56 sabotages et 242 attaques. Entre autres, le sabotage de la voie ferrée Paris-Le Havre, l'explosion d'une bombe à bord d'un paquebot transporteur de troupes, la tentative de faire sauter l'émetteur de la Tour Eiffel. Le 15 septembre 1958, à 9h, un commando de l'OS attend place de l'Étoile. La déesse noire de Jacques Soustelle, ministre de l'Information, arrive et s'arrête au feu rouge au début de l'avenue de Friedland. Un homme se précipite et ouvre le feu. Soustelle se jette au sol. À peine s'est-il relevé qu'il est la cible d'un second tireur. Il échappe à la mort par miracle. Le ministre de l'Information, qui a miraculeusement échappé à une double agression, minutieusement mise au point, a tenu à déclarer que la minorité fanatique des terroristes ne devait en aucun cas être confondue avec la masse de la population musulmane laborieuse. La direction de la Fédération de France tire un bilan positif de cette offensive de l'été 58. Cette action a donné un ballon d'oxygène extraordinaire. D'abord, il ne faut pas oublier que cette action a obligé l'armée coloniale à maintenir en France plus de 80 000 hommes qui auraient été, évidemment, en Algérie. Donc c'était un poids de moins qui pesait sur les épaules de l'ALN. Ensuite, que ce soit Nasser, que ce soit dans le monde au Moyen-Orient, l'image du FLN a été perçue d'une façon beaucoup plus positive qu'elle ne l'était jusqu'à présent. Donc sur le plan psychologique et sur le plan médiatique, ça a été positif. Sans doute, le FLN a-t-il pris soin d'éviter en France les attentats aveugles qui font des victimes dans la population ? Il n'y a pas eu de bombes dans les lieux publics, dans les cinémas, les cafés ou le métro. Il n'en reste pas moins que la vague d'action de l'été 58, emportant l'insécurité en France, a encore accentué le fossé entre les Algériens et la population française. L'opinion a approuvé massivement les mesures de répression et les arrestations. Pourtant, il y a eu des Français, une infime minorité, qui ont choisi le camp du FLN. Communistes en rupture de parti, chrétiens en rupture d'église, des intellectuels ou des artistes, ces Français qui ont aidé le FLN, on les appellera plus tard les porteurs de valises, ont joué un rôle déterminant dans cette guerre en France. À la fin du mois de février 1960, les Français découvrent avec stupéfaction qu'un réseau d'aide au FLN, formé d'Européens, vient d'être démantelé par la DST. Son chef présumé,
Francis Janson, ami de Jean-Paul Sartre, est activement recherché. Tout a commencé 4 ans plus tôt, lorsque Colette et Francis Janson ont publié « L'Algérie hors la loi ». Ce livre manifeste exerce une très vive influence dans les milieux anticolonialistes tissus par les partis de gauche. Ses amis algériens ont besoin d'aide. Janson commence à faire le taxi, c'est-à-dire à transporter des militants FLN recherchés. Comme les demandes dépassent ses capacités, il faut trouver parmi ses proches des gens prêts à héberger ou à conduire des Algériens. Au même moment, des chrétiens, heurtés par les révélations sur la torture en Algérie, commencent également à rendre des services au FLN. Ainsi Robert Davzy, prêtre et scientifique. C'est à partir de la lecture des prophètes que j'ai décidé de dire oui au soutien direct au Front de Libération Nationale Algérien. Nous avons de grands textes qui disent que la fonction du Messie, c'est de combattre pour les pauvres, de combattre contre les oppresseurs. Et il nous semblait que c'était pas très sérieux de notre part, même incohérent, de nous dire successeurs ou de marcher, disant que nous marchions dans les pas de celui-là, et en même temps de ne pas faire les mêmes choses que ceux que lui devait faire ou faisait. C'était donc ça qui pour moi était fondamental et absolu. Moi j'ai toujours pensé, je pense toujours aujourd'hui, qu'il y a un absolu dans l'histoire. On a senti très vite que ce serait très intéressant que d'un côté les prêtres ouvriers qui étaient déjà au soutien du FLN et les Janson et ses camarades qui de leur côté travaillaient déjà pour appuyer le FLN, qu'on fasse cause commune, qu'on s'organise et qu'on développe l'action. Nous étions un réseau de soutien, nous n'étions en aucune façon membres du FLN. Au début de 1958, la Fédération de France du FLN peut compter sur un certain nombre de réseaux d'aide. Les militants français, outre l'hébergement, remplissent des tâches très concrètes, passage de frontières, transport des sommes collectées, fourniture de faux papiers. Il fallait sortir les éléments recherchés, ce qu'on appelait les éléments brûlés. Il fallait rentrer des éléments qui entraient pour une certaine activité. Il fallait permettre aux membres du comité fédéral et aux responsables de ce qu'on appelait les Woudaïs à l'époque, c'est-à-dire les 6 régions de France, d'aller à l'étranger et de revenir. Donc il fallait absolument qu'il y ait un système de transport fiable. On partait toujours avec 2 voitures. Dans une voiture, il y avait les Algériens et quelqu'un d'entre nous. Et il y avait une voiture ouvreuse qui roulait 5 km en avance. Et s'il y avait un barrage, elle faisait encore 500 mètres, tournait sur elle-même, revenait, repassait le barrage et faisait en sorte de nous croiser 2 ou 3 km avant que nous-mêmes nous arrivions sur le barrage, faisait un appel de phare. Et bien sûr, nous arrêtions immédiatement et nous prenions un chemin de traverse afin de voir comment nous pouvions passer par un autre chemin. Les sommes collectées dans l'immigration constituent 80% des ressources du FLN. Elles fournissent véritablement le nerf de la guerre. C'est dire l'importance du rôle des porteurs de valises. Ça consistait à recevoir d'un peu partout en France, de chaque région, peut-être chaque département même, de recevoir des valises ou des paquets d'argent qui venaient des cotisations des Algériens, aux commerçants, ouvriers, et à les rassembler, à les compter et à en faire des valises importantes. Ça supposait beaucoup de travail. On passait des soirées entières à compter de l'argent qui sent d'ailleurs, quand il est en masse, très mauvais. C'était un travail assez désagréable. Il fallait faire attention de ne pas trop se tromper aussi. En 1958, un juif égyptien, Henri Curiel, vient renforcer le réseau Janson. Curiel, communiste, fils de banquier, apporte sa connaissance des transactions bancaires internationales et utilise certaines complicités. Une fois centralisé, le rôle des Français consistait à les remettre à certains banquiers, lesquels
les prenaient en charge. Et croyez-moi, ces coupures n'ont jamais quitté la France. C'était à partir de là, c'était simplement un jeu d'écriture entre les banques ou les sièges des banques en France et des banques en Suisse ou dans d'autres pays. Enfin, il est vital de doter les clandestins algériens de couvertures insoupçonnables. Les faux papiers, c'était quelque chose d'absolument indispensable parce qu'il y avait des rafles quotidiennes, il y avait des barrages, il y avait la guerre aux faciès. Tous les Nord-Africains ou les Timbazanais étaient l'objet d'interpellations. Donc il fallait avoir des papiers en règle. Vous étiez capable de fabriquer n'importe quel faux papier ? Oui, ça c'est la région parisienne. J'avais ici une province, donc tout à fait les mêmes. Bon, mais filigrane, tout ce qu'il faut. Et vous fabriquez à partir de quoi, ça ? Eh bien, papier, coloré par la suite, collé, le filigrane étant introduit à l'intérieur. Je vais vous montrer. Je ne devrais pas montrer ça, mais enfin, vous voyez, voilà, l'astuce, toute bête et toute simple. En 1942, Adolfo Kaminski, juif argentin détenu à Drancy, échappe à la déportation grâce à sa nationalité. Il rejoint la résistance et devient un spécialiste des faux papiers. Après la guerre, il met son talent de faussaire au service des Juifs qui partent clandestinement pour la Palestine. Il y avait une continuité contre le totalitarisme et des méthodes que la Gestapo avait utilisées, que je trouvais inadmissibles, que la France utilise à son tour. J'ai rencontré Francis Janson et il m'a demandé de l'aider. Alors au début, c'était au coup par coup des petites choses. Et puis très vite, il était évident qu'il fallait me remettre en route de vrais moyens pour pouvoir faire face à toutes les demandes. Ça, c'est les photos de Omar Boudaoud. Ça, c'est le négatif. Oui, c'est ça. Ça, c'est les clichés qui ont été tirés pour des cartes d'identité au fur et à mesure des besoins. Le responsable de la Fédération de France. La Fédération de France, donc vous fabriquez ces papiers. Ça, oui. En septembre 1960, les membres du réseau Janson arrêtés au printemps précédent sont traduits devant le tribunal du Cherche-Midi. Dehors, les partisans de l'Algérie française manifestent. Dans la salle, les avocats, dont Roland Dumas, réussissent à donner aux audiences un grand retentissement. Le tribunal se transforme en tribune. Il est évident que sans l'aide de nos amis français, la mission de la Fédération de France en France aurait été beaucoup, beaucoup plus périlleuse et nous aurions peut-être mis plus de temps et payé beaucoup plus cher en vie humaine et en sacrifice. Les porteurs de valises actives n'ont été que quelques centaines, quelques milliers en comptant ceux qui ont prêté une voiture ou un appartement. Mais ils ont rendu des services décisifs aux Algériens, en aidant à la collecte au transfert en Suisse de 500 millions d'anciens francs chaque mois, en planquant ou en convoyant les chefs du FLN, en faisant entrer en France des armes dans des voitures trafiquées. Certains Français ont même, à la demande du FLN, fabriqué de la fausse monnaie destinée à inonder le marché français. Ces faux billets n'ont jamais été utilisés. Devant l'activité du FLN et de ses amis français, les forces de police ne sont pas restées les bras croisés. Tout Algérien vivant en métropole est un suspect, à juste titre d'ailleurs. Plus les années passent, plus l'équation Algérien égale militant FLN se vérifie. La police le sait, qui multiplie les quadrillages et les contrôles. J'étais un conseiller chargé de tous les problèmes de sécurité et en tant que tel, je suivais l'action des services secrets parce qu'ils dépendaient à l'époque du Premier ministre, mais d'autre part, j'assurais la coordination de toutes les polices, ce qui fait que j'ai été un peu le coordinateur de ce que nous appelions la bataille de France contre le FLN, ce qui était d'ailleurs une tâche extrêmement lourde et extrêmement désagréable. Est-ce que vous pouvez nous faire un panorama, une synthèse du dispositif anti-FLN en France ? Alors, le dispositif français était à la fois puissant et faible. Il était puissant parce qu'il y avait la préfecture de police, parce que tout se déroulait pratiquement dans la région parisienne, la préfecture de police qui avait créé des brigades qu'on appelait d'agression et de violence, puis et qui avait toute sa police municipale.
À côté de la préfecture de police, il y avait les renseignements généraux qui jouaient un très grand rôle, parce que c'est eux qui procuraient du renseignement sur la Fédération de France et qui, en sous-main, soutenaient un peu le MNA. Il y avait la DST qui faisait la pénétration au plus haut niveau de la Fédération de France. C'est là le dispositif principal de la République face à ce qu'on pourrait appeler une résistance. Avec le recul, vous pensez que le dispositif a été inefficace ? Je pense que le dispositif a été efficace au point de vue technique, mais au point de vue politique, c'était pas suffisant, mais il aurait fallu livrer une guerre contre le FLN en métropole, et le problème a été posé au général de Gaulle, qui a strictement refusé qu'on renforce ce dispositif. Après l'offensive du FLN en août 58, une ordonnance est votée qui autorise l'assignation à résidence des suspects algériens dans un des camps d'internement ouverts sur le territoire français. Dès septembre 58, un couvre-feu est imposé à la population nord-africaine. Les contrôles, les barrages, les rafles se multiplient. Le Veldiv, de triste mémoire, sert à nouveau de camp de transit. Mais devant la répression accrue, le FLN ne reste pas inactif. Lorsqu'on mène une action contre un adversaire, il est normal que l'on essaye de savoir ce que pense cet adversaire et ce que cet adversaire sait de vous. Il s'est avéré qu'au sein de la police, même à Paris, il y avait certains Algériens qui avaient des postes importants. Certains d'entre eux, deux ou trois, les plus engagés, se sont eux-mêmes proposés pour constituer une cellule d'information. Grâce à ses complicités dans l'appareil policier, le FLN peut connaître à l'avance les arrestations envisagées. Il se procure également la liste des policiers chargés de lutter contre l'organisation clandestine. Cette cellule, qui était au sein de la police française, nous a envoyé les noms, les photos, et puis surtout ce que l'on reprochait à ces policiers. Leur dossier parvenu au niveau de l'instance suprême de la fédération et un jugement a été rendu. La police réussit à remonter des filières. Des responsables de Vilaya et des membres de l'OS sont arrêtés. Pour défendre les militants algériens, un collectif d'avocats est créé, constitué, entre autres, de Maître Vergès ou Sédic Aoudia. Nous avons toujours soutenu que les militants du FLN étant des militants politiques, c'était des prisonniers de guerre. Ça, l'administration française et les gouvernements français de l'époque ne l'ont jamais admis. Et ont continué à exécuter, à guillotiner des militants algériens du FLN jusqu'au cours de l'année 1961. Fort du principe, la défense attaque, les avocats du FLN adopte une stratégie qui refuse à un tribunal français le droit de juger un soldat du FLN. C'est la défense de rupture. Or, l'important pour le FLN, c'était bien sûr de défendre son militant détenu, mais surtout, lorsqu'il n'y avait pas de peine de mort requise, à ce moment-là, profiter de ce que ce procès et porté à la connaissance du public par les médias qui étaient présents dans les salles d'audience pour expliquer le sens du combat du FLN. Plusieurs milliers de détenus algériens sont enfermés dans les camps et les prisons. Le FLN n'a pas l'intention de les abandonner à l'administration française, bien au contraire. À l'intérieur, le combat continue. Un comité de soutien aux détenus est mis en place qui vient en aide aux familles des prisonniers. Derrière les murs,
le FLN instaure une véritable société parallèle. On considérait à l'époque que un militant qui est arrêté n'a pas pour autant terminé la lutte. Il était arrêté, il était derrière les barreaux, mais il pouvait faire quelque chose. Lorsqu'on a pu structurer les détentions, celles-ci ont pu, par des grèves de la faim, parvenir à se faire reconnaître un régime hybride qu'on appelait le régime A, qui se caractérisait par la possibilité d'avoir un poste de radio, de recevoir la presse, de, par exemple, de bénéficier de l'ouverture des cellules, des portes des cellules. Mais il y a un autre aspect qui était très très important, c'est l'aspect culture générale. On a obtenu que certaines cellules ou certaines salles soient affectées à l'éducation et à la culture. Là, je voudrais saluer l'apport de nos amis français. Ces porteurs de valises, eux aussi, se sont retrouvés derrière les barreaux. Il y avait 20, 25, 30 Français, mais mêlés aux 800 détenus algériens. Tout le monde donnait des cours, Curiel, Meyer, André, Diego Masson donnait des cours. Moi-même, je donnais des cours d'arithmétique, d'algèbre et de géométrie assez fréquemment, presque tous les jours, à un certain nombre de détenus qui d'ailleurs étaient d'excellents, très souvent d'excellents élèves, notamment en géométrie. Mais les militants FLN, comme tout prisonnier, ne rêvent qu'à faire la belle. À la Petite Roquette, 6 femmes, dont 3 françaises, s'évadent spectaculairement en escaladant le mur. On a, par exemple, creusé un tunnel à Fresnes qui partait de la division, qui passait sous la cour, qui passait sous le mur extérieur et qui sortait à 20 ou 25 mètres au-delà des murs. Les dirigeants historiques du FLN, arrêtés lors de l'arraisonnement de leur avion en octobre 1956, sont détenus depuis cette date. Ben Bella, Aït Ahmed, Boudiaf, Rababitat et Mohamed Kider sont transférés de prison en prison. À 2 reprises, Boudiaf cherche à s'évader de Fresnes. En 1961, les 4 autres sont gardés au château de Turquan. Un projet d'évasion est mis au point. On s'était rendu compte que dans la région de Turquan et tout autour du château, il y avait énormément de champignonnières et des galeries souterraines qui arrivaient pas loin du château. Et on est arrivé à creuser des galeries qui arrivent jusqu'à la cave du château. Pourquoi l'évasion n'a pas eu lieu? C'est qu'il semble que quelqu'un, depuis Turquan, ait téléphoné à l'extérieur, à Fresnes, pour laisser entendre qu'il fallait que cette personne de Fresnes vienne les rejoindre pour que l'évasion concerne l'ensemble des 5. Et il semble que cette communication téléphonique ait été interceptée, et le soir même, alors que les CRS, qui eux avaient l'habitude de passer la nuit en dehors du château, à partir de ce soir-là, ils sont restés à l'intérieur du château, ce qui fait qu'il n'était plus possible de s'évader. Il faut s'arrêter sur ce fait inouï. Derrière les murs et les barreaux, les détenus algériens restent sous la coupe du FLN. La cuisine, l'hygiène, les études, le culte, la discipline, tout est contrôlé par le front. En pleine guerre d'Algérie, dans les centrales françaises, des milliers de détenus algériens chantent le matin l'hymne du FLN. En 1961, par crainte de l'OAS, le front fait même entrer en pièces détachées des armes dans les cellules. Après plusieurs grèves de la faim, avec l'accord tacite des autorités françaises, et en particulier du garde des Sceaux, Edmond Michelet, l'ordre FLN règne dans les prisons françaises. Mais il n'y a pas que la répression légale, police, tribunaux, prisons. Les services secrets français mènent contre le FLN une guerre totale. Voici un témoignage exceptionnel et inédit d'un ancien du service action du SDEC sur cette guerre secrète. Écoutez bien ces révélations, elles sont stupéfiantes. Le cargo tchécoslovaque Lidice a été arraisonné par la marine française.
Les opérations de contrôle ont révélé que le manifeste du bord ne correspondait pas à la cargaison réelle. Les autorités ont donc décidé de décharger du navire les 580 tonnes d'armes, de quoi équiper une division d'infanterie. Une affaire qui s'ajoute à celle de l'Atos et du Slonenidja, dont les cargaisons étaient destinées au FLN. Dès 1956, les services secrets français s'attaquent au réseau d'approvisionnement en armes du FLN. Des navires sont interceptés. Clausewitz, qui est un maître dans la pensée militaire, a toujours dit qu'il fallait employer les mêmes procédés que l'adversaire et que si on était faible par rapport à lui, si on employait des procédés inférieurs en brutalité aux siens, on était sûr d'être vaincu. Raymond Muel, volontaire au 1er bataillon de choc pendant la Seconde Guerre mondiale, parachutiste en Indochine, est en 1954 à la tête d'un commando de chasse en Kabylie. 2 ans plus tard, il revient en métropole pour effectuer un stage au service action du SDEC. On avait découvert en Indochine une forme de guerre qu'on appelait non conventionnelle, que certains ont appelé la guerre révolutionnaire, sans trop bien savoir ce que ça voulait dire. Mais il est évident que certains objectifs ne doivent pas être atteints par des méthodes et des moyens classiques. Il faut donc que certaines personnes, certains officiers en particulier, soient préparés à jouer les clandestins pour traiter des objectifs qui ne peuvent pas l'être par l'armée régulière, normale, l'aviation, la marine, ou l'infanterie, ou l'artillerie. Et à ce moment-là, donc vous êtes en 1956, ces objectifs sont évidemment le FLN ou ceux qui travaillent avec eux. Pour le service action, à ce moment-là, ce sont uniquement les complices du FLN, en particulier les trafiquants d'armes qui ravitaillent le FLN en armement. Les différents types d'opérations étaient exécutés sur l'ordre du gouvernement, avec l'accord du Premier ministre de l'époque, puisque le SDEC appartenait au Premier ministre. Vous avez participé à ce type d'action sur des trafiquants? Oui. Le 3 mars 1959, Georges Puchert, un trafiquant d'armes allemand intégré au FLN, saute avec sa voiture piégée. Vous recevez un jour une mission, on vous propose d'abattre le trafiquant X ou Y. On vous donne son domicile, ses habitudes de vie, le numéro de sa voiture, l'endroit où est son bureau. Vous proposez, vous, un traitement à un endroit qui vous paraît convenable. Cette procédure est acceptée ou n'est pas acceptée. C'est-à-dire qu'on vous laisse la latitude de préparer l'opération? Oui, absolument. L'officier traitant est apte à préparer cette affaire et à la mener de A à Z. Parce que dans ce système de hiérarchie, l'officier traitant prépare l'affaire et les exécutants font le travail. Vous avez une certaine hiérarchie dans l'affaire. Vous avez l'agent qui est capable de tuer un arme blanche, l'agent qui est capable de tuer avec un pistolet, l'agent qui est capable de poser une bombe, tout ça, c'est une qualification, une espèce de qualification. Et en l'occurrence, ça se passait où, cette opération? Francfort. Et c'était donc un... C'était un trafiquant d'armes, où ça s'est passé à Genève également, c'est la fameuse histoire Léopold, où d'autres... sont intervenus plusieurs fois avec cette arme fantastique qu'on appelait la pompe à vélo. Ça consistait en quoi, cette pompe à vélo? Cette pompe à vélo, c'était un engin en forme de tube qu'on pouvait dissimuler dans la manche et qui projetait avec une cartouche d'assez faible puissance une fléchette empoisonnée. Et vous, personnellement, vous avez participé à combien de types d'opérations comme ça? Je ne répondrai pas à cette question. Tous ces assassinats sont revendiqués par une mystérieuse organisation, la Main Rouge. Oui, c'est un camouflage qui a été employé par le SDEC à l'époque. En fait, la Main Rouge, il a existé une Main Rouge qui était une affaire montée par des colons de Tunisie. C'était une affaire assez embryonnaire, mais qui avait procédé à quelques exécutions sommaires sur le terrain. Et on a repris ce terme-là pour justement justifier une action et démarquer le gouvernement. La Main Rouge est une création du SDEC. Absolument. À partir de 1958, il y a eu un changement d'attitude dans les positions gouvernementales françaises. Et avec M. Debray et M. Papon, préfet de police, nous avons été sollicités, et on nous a même donné l'ordre, de participer, nous, en tant que service action, à certaines actions
que ne pouvait pas assumer la police. Par exemple, faire disparaître certains chefs FLN ou certains FLN de deuxième niveau. Nous n'avons jamais eu affaire au premier couteau du FLN. Le cadre fixé par le général de Gaulle pour le service action, qui est d'ailleurs très très intéressant, et c'était les opérations n'auront lieu qu'en temps de guerre. Et nous étions en temps de guerre. Ils n'auront lieu que contre des citoyens étrangers. Et une troisième condition avait été posée, et les opérations n'auront lieu qu'en territoire étranger également. C'est sur ce point précis qu'il y a eu une dérivation de la règle fixée, mais c'est uniquement, justement, une dérivation. 20h, le 21 mai 1959. Maître Aoudia, un des avocats du collectif FLN, sort de son bureau, du 10 de la rue Saint-Marc. Un homme l'attend qui, sans prononcer un mot, tire deux balles dans le cœur. L'avocat s'écroule, tué sur le coup. Le fait que l'action ait été engagée contre des avocats algériens prouve que l'Algérie était déjà considérée au niveau du pouvoir comme un pays quasiment indépendant qui nous faisait une guerre. L'Algérien était considéré un peu comme un étranger à Paris. Personne ne croyait au niveau de la politique supérieure parisienne au mythe de l'Algérie française. Une lettre d'avertissement a été envoyée à tous les gens du collectif en disant que s'ils continuaient leurs activités, ils auraient des ennuis. Les services secrets ne peuvent agir que sur feu vert du pouvoir politique. Dans ce que il y avait donc nécessité d'avoir le feu vert de l'Élysée, du représentant du général de Gaulle, la nécessité d'avoir le feu vert de l'homme qui avait le SDEC sous son autorité, dans ce cas précis, c'était le Premier ministre. Et moi, j'étais l'intermédiaire entre ce pouvoir politique et les services. Donc, ça se déroulait d'une manière tout à fait logique en ce qui concerne le fonctionnement même de l'État. Alors donc, on nous a donné l'ordre d'exécuter et de commencer par le premier, maître Ould Aoudia. Vous dites l'ordre nous était donné, c'est-à-dire que l'ordre venait d'où? L'ordre venait du Premier ministre. Personnellement? Personnellement, ça allait du Premier ministre au général commandant de SDEC, général Grossin à l'époque. Mais la plupart du temps, d'ailleurs, les contacts étaient directs entre le chef du service action, M. Focard, et le Premier ministre. Vous avez été officier traitant de cette opération? Pas moi personnellement. Mais vous la connaissez bien? Mais je la connais bien. Et d'autres avocats ont été aussi sur la liste, étaient visés? Oui, je pense que l'affaire a été, du collectif des avocats, a été stoppée très rapidement parce que ça a quand même fait du bruit. Mais tous les avocats, en particulier M. Vergès, avaient été mis sur la liste. M. Vergès, M. Cédic, M. Corrégé. Et j'imagine que je ne vous répondrai pas, mais je pose quand même la question, combien de types d'actions d'élimination de responsables FLN vous avez? Ça, je ne sais pas. Je ne le sais pas parce que cette comptabilité n'était pas tenue à mon échelon. Non, mais vous avez participé à ce nombre d'actions? Bon, moi, je pense que, mettons une douzaine. Une douzaine d'élimination? Ouais. Les services spéciaux français ont donc procédé à l'élimination des responsables du FLN ou de ceux qui les aidaient, notamment en leur fournissant des armes. Ils ont abattu un avocat inscrit au barreau de Paris. Ainsi, le SDEC a mené dans toute l'Europe une guerre active et secrète contre le FLN. Dans les rues de Paris, à partir de 1960, se joue le dernier acte de la guerre en France. Entre les commandos du FLN et ceux qui sont chargés de les combattre, se déroule une véritable bataille, la bataille de Paris. Le gouvernement français décide en août 59 de créer en métropole un service de coordination des affaires musulmanes. Il s'agit d'essayer de contrecarrer l'influence du FLN sur la population immigrée en menant à la fois une action psychologique et sociale. Le Premier ministre, Michel Debré, sur les conseils du préfet de police Maurice Papon, décide d'adjoindre à ce service une force de police auxiliaire, la FAP, constitué d'Algériens recrutés dans les harkas d'Algérie. Raymond Muel, toujours au service action du SDEC, travaille dès lors avec le capitaine Montaner, qui dirige un premier contingent de harkis. On nous a demandé à nous, service action, d'intervenir dans la lutte anti-FLN en métropole.
Montaner a mis ces gens en place, d'abord dans les quartiers difficiles occupés par les musulmans. Ça a d'abord été un problème de remise en confiance de ces gens-là et aussi un problème de renseignement. À partir du moment où les musulmans se sentaient protégés, ils parlaient plus facilement, et ils parlaient plus facilement à des musulmans comme eux. Et Montaner a commencé à avoir, la préfecture de police a commencé à avoir des renseignements extrêmement plus précis sur l'implantation FLN. À Paris, les harkis s'installent dans des hôtels réquisitionnés du 13e arrondissement et du 18e, en particulier au 25 de la rue de la Goutte d'Or. Ils commencent leur travail de contrôle et de surveillance, cherchant à détruire l'organisation FLN. Les caves des hôtels sont transformées en salles d'interrogatoire musclées. Je ne pense pas que les méthodes des harkis arrivent à la cheville des méthodes employées par le FLN. Les harkis n'ont jamais égorgé personne, ils n'ont jamais écrasé les gens du FLN à coups de pavé, ne les ont jamais interrogés à la lampe à souder, comme ça se faisait dans les tribunaux FLN qui siégeaient dans les caves parisiennes. Il y a eu des témoignages sur des caves d'hôtels à la Goutte d'Or où les harkis torturaient. Oui. Personnellement, je n'y crois pas. Qu'ils aient eu la main lourde, ça, c'est vraisemblable. Mais on a toujours la main lourde quand on risque de se faire flinguer au coin de la rue quand on sort. Vous pensez que c'est impossible que des harkis, avec tout le contentieux qu'il y avait, puissent torturer dans les caves? Impossible, non, mais certainement pas organisé de façon hiérarchique. Il m'a frappé, il y avait mon demi-frère qui était avec moi en bas, que lui l'a brûlé, l'a matraqué, à plusieurs reprises d'ailleurs, auquel il l'a encassé des dents, il l'a défiguré pour un signe. Il nous a emmenés dans la cave au 28 rue de la Goutte d'Or. Alors je suis resté 38 heures. Ils m'ont brûlé avec les chalumeaux. Ils m'ont frappé à coups de trousse. Ils m'ont frappé à coups de bâton. Ils m'ont donné de l'eau avec de l'eau de Javel. Et puis j'étais évanoui. Le FLN dénonce l'usage de la torture par les harkis. Mais les calots bleus de Montaner obtiennent des résultats. Le préfet de police, Maurice Papon, continue de soutenir leur action. Les harkis avaient ces renseignements, les transmettaient à la préfecture de police, et quand ils ne pouvaient pas, eux, venir à bout de ces renseignements, la préfecture de police, avec l'accord du Premier ministre, nous demandait d'intervenir. Il y a eu infiltration de l'organisation FLN? C'est arrivé, on a ce qu'on appelait les hors-cadres chez Montaner, qui était chef de zone FLN et qui travaillait pour Montaner. Il n'a jamais été découvert? Celui-là n'a jamais été découvert, mais un certain nombre ont été découverts et ont disparu. À partir du moment où nous avons reçu tous ces rapports sur l'activité des harkis à Paris, eh bien, il fallait réagir. Et là, la réaction a été, je dois dire, violente. Parce que ces harkis étaient des gens provenant de familles qui, elles-mêmes, avaient été des familles de collaborateurs et évidemment qui avaient subi, une intervention musclée, pour ne pas dire plus, de la part de l'armée de libération nationale. Donc c'était des gens qui avaient des comptes à régler avec le FLN. Dans un premier temps, le FLN mène une action politique en direction des harkis. Il réussit à établir des contacts. Dans la force de police commandé par le capitaine puis commandant Montaner, il y avait un musulman, qui d'ailleurs était un officier de police de qualité, dont on s'est aperçu, Montaner s'est aperçu, qu'il était un agent double et qu'il préparait une révolte à l'intérieur de la FAP au profit du FLN. Montaner et la police ne pouvant pas traiter cette affaire, avec l'accord de M. Papon, c'est nous qui l'avons traité. Donc il a été éliminé. Mais l'efficacité des harkis pousse le FLN à recourir à des méthodes plus radicales. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été une guerre totale. Chaque fois que les groupes de choc pouvaient bloquer dans un coin un ou deux harkis, ça, ils n'en réchappaient pas. C'était une lutte à mort avec les harkis. Les groupes de choc passent à l'attaque des hôtels harkis. Certains quartiers de Paris deviennent le théâtre de véritables batailles rangées. On relève des dizaines de morts. À l'automne 61, les autorités françaises mettent fin à l'expérience de la FAP. Malgré leur méthode, malgré l'aide des services spéciaux, les harkis n'ont pas réussi à démanteler le FLN dans Paris. Je ne regrette pas les moyens que nous avons employés, parce qu'à l'époque, ça nous paraissait des moyens légitimes. Je regrette la fin, oui, parce que
malgré tout ce qu'on nous a fait faire, puisque même le fait qu'on ait fait de nous des assassins et des terroristes, ça n'a servi à rien qu'à coûter des vies humaines supplémentaires pour les gens que nous avons embringués dans nos aventures. La raison d'État, j'y crois, j'y croyais, j'y crois toujours d'ailleurs, mais pour une grande cause, pas pour du bricolage. Alors on a conclu que si le général de Gaulle avait une certaine idée de la France, nous en avions une idée certaine, ce qui pouvait évidemment causer certains problèmes. Vous avez l'impression d'avoir été berné? Absolument, trahi. Et c'est pas tellement la raison d'État, c'est le temps de guerre. En temps de guerre, vous avez un ennemi, vous ne pouvez pas toucher cet ennemi vous porte des coups, et en ultime recours, mais je dis bien en ultime recours, et dans des cas tout à fait marginaux, peut-être que l'État est forcé de prendre, en temps de guerre, une décision extraordinairement pénible et qui a posé des crises de conscience à tout le monde. Mais le préfet de police, Maurice Papon, n'a pas renoncé à son objectif de contrecarrer l'action du FLN. Le 6 octobre 1961, il instaure un nouveau couvre-feu pour les Algériens. Donc on avait compris que si on empêchait les Algériens de circuler la nuit, on allait étouffer le FLN. La fédération estimait que la meilleure manière de répondre à un couvre-feu, c'était finalement de sortir un soir avec l'ensemble des Algériens, mais défiler de façon pacifique. Si vous voulez, ce que je trouve très triste dans cette manifestation-là, et je regrette un peu que la Fédération de France les lançait, c'est que des négociations étaient déjà en cours. Elles étaient déjà totalement engagées avec le FLN, tout était joué, donc la Fédération de France a peut-être joué un petit peu son jeu personnel. Mais cela étant, ce qui était très beau dans cette manifestation, c'est la mobilisation algérienne qui était vraiment digne de beaucoup d'éloges. Le 17 octobre, en fin d'après-midi, un important dispositif policier est en place. Des barrages et des contrôles ont été installés aux portes de Paris. Vers 20h, des milliers d'Algériens défilent dans différents quartiers de la capitale. Place de l'Opéra, les policiers, mitraillettes au poing, interceptent les Algériens qui sortent du métro et les embarquent dans des bus de la RATP réquisitionnés. À l'Étoile, des milliers d'hommes sont parqués sur les trottoirs, mains sur la tête. Les coups pleuvent. Des heurts d'une rare violence ont lieu à Saint-Michel où des corps restent sur le pavé, sur les grands boulevards où là aussi on relève des morts. Partout, les policiers chargent avec une brutalité inouïe. La radio de la police annonce que des policiers ont été tués par balles. Or, aucun militant FLN n'est armé. Des consignes très strictes ont été données. Les affrontements les plus durs se déroulent au pont de Neuilly, où des rafales de mitraillettes partent des rangs policiers. Des Algériens, blessés ou moribonds, sont jetés à la Seine. Dans la cour même de la préfecture de police, des dizaines de manifestants sont tabassés avec sauvagerie. Toute la nuit, des autobus amènent des manifestants arrêtés à la porte de Versailles. À l'intérieur du palais des sports, s'entassent pêle-mêle, blessés et moribonds dans des conditions effroyables. 11 538 arrestations sont officiellement recensées. Plusieurs centaines de suspects sont expédiés en avion dans des camps d'internement en Algérie. Au-delà du bilan officiel, Constantin Melnik, conseiller du Premier ministre Michel Debré pour les questions de sécurité, mène sa propre enquête. J'évalue ces bavures, enfin, une centaine de morts, je crois, d'après les chiffres que j'avais sur mon bureau.
Maintenant, c'est... il y a eu des informations ouvertes. Je crois que les informations ouvertes par la justice portent sur 60 morts. Mais on peut, si on veut être tout à fait honnête, il faut faire une fourchette entre 100 et 200 morts, ce qui est absolument inacceptable. On s'attendait à une répression, mais nous nous attendions à des arrestations et non pas des liquidations comme elles ont eu lieu. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, d'après les rapports que nous avons eus les jours suivants, il y a eu au moins 200 morts qui ont été tués dans Paris, je parle de Paris, intramuros, et jetés dans la Seine. Dans un numéro saisi des temps modernes, la revue de Sartre écrit « Pogrom ». Jusqu'ici, le mot ne se traduisait pas en français. Par la grâce du préfet Papon, sous la Ve République, cette lacune est comblée. Aujourd'hui, plus personne ne nie l'ampleur et la violence de la répression, autour de 200 morts. Le 17 octobre 1931 est l'un des derniers actes tragiques de la guerre en France. Car pendant que les Algériens sont jetés à la Seine par la police française, d'autres Algériens négocient en secret avec les responsables du gouvernement français. Les accords d'Évian sont proches, la guerre d'Algérie se termine. Quelques livres pour terminer, celui de Ali Haroun, que vous avez beaucoup vu ce soir au cours de l'émission, qui a écrit l'histoire de la Fédération de France du FLN, ça s'appelle la 7e Vilaya, la guerre du FLN en France, et c'est paru au Seuil. De l'autre bord, Raymond Muel, que vous avez vu également ce soir, la guerre d'Algérie en France, paru aux Presses de la Cité, version romancée et légèrement édulcorée par rapport à ce qu'il a dit ce soir de son action pendant la guerre d'Algérie. Robert Davzy, que vous avez vu également, a écrit un roman, qui s'appelle Les Abeilles, aux éditions de Minuit. Et enfin, pour un point de vue historique, plus distancié, Benjamin Stora, il venait d'Algérie, c'est l'histoire de l'immigration algérienne en France, c'est paru chez Fayard. Dans un mois exactement, les brûlures de l'histoire seront consacrées, 40 ans après le rapport Khrouchtchev et le 20e congrès, à l'étonnant M. K, la première tentative de réforme du système communiste. Bonsoir.